Je suis enseignante au cégep de Shawinigan en éducation à l'enfance. Plus souvent, j'enseigne là, à l'AEC, donc à l'attestation d'études collégiales. Je suis une enseignante non permanente, donc à statut précaire. D'année en année, je ne sais jamais là, quel cours je vais avoir, mais jusqu'à maintenant, j'ai quand même été relativement chanceuse. Là. J'ai toujours eu un ou deux, ou des fois trois cours là, à enseigner à l'AEC, puis quelques petites tâches là, au régulier aussi. Souvent, disons que je vais donner un cours avec une partie magistrale, mais la majorité de mon cours va être des exercices ou des laboratoires où les étudiantes vont être en échange entre elles. Là, c'est sûr que en ce moment, c'est que ce qui est difficile, c'est que les étudiantes n'ont pas nécessairement tout l'équipement nécessaire, ils n'ont pas nécessairement non plus tout le même horaire. Fait qu'on peut pas être en direct avec elle difficilement, en tout cas. Peut-être que je pourrais rejoindre 4 ou 5 étudiantes là, pour être en direct, mais c'est pas toute ma classe, donc c'est pas équitable, c'est pas juste de rencontrer seulement quelques étudiantes parce qu'il y en a qui ont des enfants à la maison, puis c'est tout à fait compréhensible. Fait que ça fait en sorte que on peut pas vraiment avoir d'interaction avec les étudiantes. Faut se fier à leur bon sens puis à leur implication parce que c'est à elles finalement de suivre le plan de travail. Nous, on n'a pas beaucoup de regard là-dessus. On peut moins les soutenir que si on était en classe finalement. Faut que j'évalue aussi des compétences, c'est ça, intervenir avec les enfants. Faudrait qu'ils se filment avec des enfants en train d'intervenir. Mais là, pour certaines, ils vont se filmer avec leur père ou ils vont se filmer avec leur conjoint puis ils vont faire semblant que c'est des enfants. Là. Donc, ça me permet d'évaluer un peu la compétence, mais pas à 100% là, comme j'aurais pu faire là, en classe. Ce qui change aussi, c'est que j'ai un enfant aussi à la maison, donc il faut vraiment que je fasse mon horaire en conséquence de ses siestes. Puis, en conséquence aussi, j'ai mon conjoint qui, lui, travaille parfois aussi à distance. Là, donc, ça, c'est toute une adaptation aussi au niveau familial. Comment adapter mon enseignement pour être disponible pour mes étudiantes, mais disponible aussi pour ma famille qui est là en même temps. Là. Donc, ça aussi, c'est un autre changement là, assez important. Je me sens stressée. Je sais que je suis stressée. C'est pas quelque chose qui est stressé personnellement. C'est pas quelque chose qui me stresse personnellement dans ma vie personnelle, mais on dirait que c'est le stress de toute la société qu'on ressent, puis on est comme dans cette ligne-là de stress constant, latent un peu, toujours là. Fait que oui, on le sent.